Salut tout le monde, c'est Kero, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de mon let's play sur Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain. Donc, rappelez-vous, dans l'épisode 5, on avait intégré la Mother Base accompagnée de Kazuhira Miller. Donc, on l'avait sauvée, puis on avait atterri la Mother Base, la toute petite Mother Base, donc, qui s'agrandira au fur et à mesure de l'histoire. Et on avait attaqué notre première mission qui était de récupérer. Alors attendez, que je dis pas de bêtises, c'est où? Ouais, voilà, qui est de récupérer le commandant Spetsnaz. Donc soit on le tue, soit on le capture vivant. Enfin, on l'assomme et on l'extrait par le bâton Fulton qu'on a découvert à la Mother Base. Et rappelez-vous, dans l'épisode 5, j'ai fait un gros fail, comme on dit. Je me suis fait repérer, puis après c'est parti en couille. Enfin bref, on va essayer de la refaire cette fois-ci. Donc ouais, comme je vous ai dit, on va essayer de la refaire proprement, sans se faire repérer. Et aussi, je vais éviter de trop parler parce que je me suis rendu compte que l'épisode 5, j'ai parlé, puis ça me déconcentre en fait quand je parle. Donc là, je ne vais pas parler d'ailleurs. Je vais vous faire écouter une petite cassette. Ça faisait longtemps. Alors, séquelle du coma de Snake. Donc après à chaque fois, à chaque cassette, à chaque fin de cassette, je vous fais pas de résumé. Voilà, c'est à vous de vous faire votre propre résumé. Moi, comme j'ai déjà fait l'histoire, donc je connais un petit peu tout ce qui se passe, donc voilà. Puis comme je suis à fond dans le jeu, j'écoute pas forcément ce qu'il raconte, donc voilà. Allez, à tout de suite. Here, Snake, try this on. A prosthetic arm. Yeah, Miller was calling it the arm that wasn't there. The physiotherapy's going well. Your arm's bulked up enough for it to fit. There. Perfect. A little time with it, and it'll work better than the real thing. What do you think? Huh. I can still feel my real arm. Well, you better get used to this one quick. You have any pain? Every now and then. Where? My fingertips. My left fingertips. Sounds like phantom pain. Your brain still remembers your old hand. Yeah. What about your vision? Can you see okay? Yeah. At the moment. Now, the shrapnel in your skull is pressing on your optic nerve. I'm told any hard impact could have an effect on your visual cortex. Yeah. The doctor mentioned that. Your brain might process visual information incorrectly. In other words, you could have hallucinations. You might see things that aren't there, and not see things as they really are. You experience any of that? He's coming too. Roger that. Right after I wake up, colors look faded. Colors, huh? Well, that's not a major concern in and of itself, but it could mean the difference between life and death in the field. You'll need to watch out for that. I will. All right. You should continue your physio. We'll be arriving soon. It's the last chance you'll get. Et donc, je vais vous faire écouter une autre cassette. Tant qu'à faire. Ocelot. I hear they started calling you Shalashaska in Afghanistan. What's that about? You know the term Shirashka? It's slang for a suspicious, hastily thrown together organization. The word became associated with a type of forced labor facility in the Soviet Gulag system. OKB scientists and engineers who'd been convicted of crimes were sent to a Shirashka for forced R&D. The Shirashkas were supervised by Lavrenti Beria of the NKVD, the secret police, under the official name 4th Special Department. Forced research? That's not very good. Those materials have already been processed. It may not be much, but we can use them straight away if you bring them back to base. Regardless of where they came from or why they're here, they revere you. And they're fighting because it was their choice. And if it wasn't, they'd leave? Who knows? That's our reality here, whether it's real or not. If there's another truth, I don't want to know it. All that matters is, that's the concept that's taken shape in their heads.
The traces of a group ideology, our superstructure, to put it in Marxist terms. All right. Go on. Right. So anyway, at some point the enemy started... You gotta extract him. Shirashka. This was after the war in Afghanistan broke out. While I was keeping an eye on you in that hospital, I was also heading up interrogations here. The men I broke gave up their comrades and families, everything they wanted to protect the most. No real cause for it. I just let myself get caught up in the old Russian pride. And suddenly I received the honor of becoming special interrogation advisor to the forced labor camps. But the more men I interrogated, the more people saw me as just that. The interrogator. It helped cover my real objective of keeping you safe. You went that far for me? Far enough to keep you alive. I ended up being pretty well known among the Afghan guerrillas. Some of them would have... Subject on board. Leave the rest to us. Now I got the second half of the name. Shashka. It's a sword. A type of saber from the Caucasus. Russian dragoons and Cossacks carried them into battle. Now, the Russian Empire had a general by the name of Fyodor Artorovich Keller. His bravery earned him the nickname Russia's Greatest Shashka. Someone must have known about that, because somewhere along the line, Shashka got stuck on the end of Shirashka. The guerrillas were using the name amongst themselves, and by the time I got to hearing about it, pronunciation had wound up as Shalashashka. So, half gulag, half hero sword. It was a perfect fit. But you see how rumors and ideas about people can get out of hand fast. Once you create a character and put it out there in public mind, it warps and twists with every baseless rumor. And before you know it, all people see are phantoms. In my case, it works out just fine. I'm plenty used to working under aliases. Okay, alors, faire vite écouter notre cassette avant que l'autre il arrive. So SALT II still hasn't gone into effect. That treaty was drawn up to limit not just the size of the U.S. and Soviet Union's nuclear arsenals, but also their delivery systems. The whole deal. Just when we thought all those years of negotiations had paid off, somebody decides to invade Afghanistan. The timing couldn't have been worse. The President was in the middle of the SALT II talks back then. Oh, you mean while you were busy trying to stop Peace Walker? I heard. President Ford was meeting with the General Secretary in Vladivostok. In his absence, the political brass in America detected what they didn't realize was false nuclear launch data from Peace Walker, and were on the verge of ordering a retaliatory nuclear strike. Coleman's big idea? Humans are incapable of destroying themselves. Turns out he never knew what humans are capable of. If that AI, I mean, the boss, hadn't found a way to stop the fake data transmission, they probably would have gone ahead with the launch. Deterrence was revealed as the pipe dream it was. All thanks to you. And her. The U.S.-Soviet talks looked set to fall through. What happened in Nicaragua no doubt helped trigger a change of heart. But in the end... The times define the politics. When you've grabbed their tail, they turn and bite your hand. I first met you 20 years ago now. The place was Seleniuyarsk in the Soviet Union. We were enemies. I was with the GRU. You were still fighting for America. 1964. Operation Snake Eater. Its objective? The assassination of the legendary soldier known as the Boss. When you returned home successful, they awarded you the title Big Boss. Your CO, Zero, sought to carry on the Boss's will by covertly establishing his own organization. You knew the original members from Operation Snake Eater. From America, there was David O, or as he was to you, Major Zero. Donald Anderson, a.k.a. Sigint. Dr. Clark, who went by a paramedic during the operation. And the fourth, you. From China, there was Eva. And me, Ocelot, from the Soviet Union. Six in total. To us, government notions of friend and foe were meaningless. As were East and West. We joined forces by our will alone. Our objective was to fulfill the boss's dying wish. To make the world one. And to do it, Zero used the Philosopher's Legacy. The secret war fund you obtained during Operation Snake Eater.
This organization would go on to become Cypher. I, on the other hand, was left with a problem. You only recovered half of He's coming too. Roger that. I'll keep the other half myself. When I found the funds, I passed them on to Zero, just as you wanted. I still trusted him in those days. We thought what he was doing was the boss's will, until he started that one project. Les enfants terribles, Zero called it. You parted ways, as did Eva, leaving only Anderson and Clark still with him. I maintain limited contact. Although, truth be told, we were just keeping tabs on one another. The reason was always you. After you returned to the Army and created Foxhound, you left America. For a time, even I'd lost track of you. I'd imagine Zero did, too. You always were. That looks like the target. Hide and seek. Zero created Cypher, an information network to tap into every corner of the globe. Woven together, Cypher's arteries make the world just one big... Alors, excusez-moi, je mets juste sur pause deux minutes. Donc, vous voyez, c'est le commandant. On a réussi à l'assommer. Alors, je vais enlever la musique, là. Ah, ça fait du bien, mes oreilles. Ah, je crois qu'il y en a qui se sont... Attention, ça arrive. Ah putain, je l'ai pas vu lui. Hop, c'est bon. Boss, I gotta say it would be a waste to kill him. But putting him to sleep doesn't count as eliminating him. Attends. Neither does knocking him out. Ouh, c'était chaud. Je vais essayer de l'extraire par ballon fulton. Vous voyez, il y a un petit peu de monde dehors là. Ça va être chaud. Alors attendez, je vais vous remettre la cassette. Désolé. Organism. And that's not all. It also monitors the thorn in Zero's side. That's you. Tracking your coordinates wherever you might go. The further you strayed from your roots, the larger Zero became. It's as if he was trying to close the gap between you. But before long, he disappeared from public life. Only a few people had direct contact with him. For a time, I was one of them. Then a year after you fell into your coma, he slipped out of sight entirely. Since then, nothing. No photos, no recordings, not even a reliable rumor as to his whereabouts. I tried every method I could think of, but Zero was gone. Target secured. I'll tell the client we sent the target to a place outside of heaven. Boss, your objective's complete. Exfiltrate out of the hot zone by chopper or on land. Don't hang around. It's endured. Evolved. But now its body is rotting. Riddled with parasites. Parasites like the ones who attack you 9 years ago in the Caribbean, and then at the hospital. Cypher's Black Ops unit, XOF. They learned where you were. Subject on board. Leave the rest to us. Bon allez, on se casse. Merde. Chaque fois je me trompe de touche. Et donc mission réussie. Ouh. C'était tendu encore hein. Mais bon, ça va, on s'en est sorti. Alors, je vais appeler du coup l'hélicoptère pour retourner à la Mother Base. Hop. Rendez-vous. On va appeler le cheval. Et voilà, c'est ça que je voulais vous montrer la dernière fois. C'est docker pour faire
pour faire du bruit pour qu'un soldat arrive. C'est ça que je cherchais à faire la dernière fois. Et comme ça faisait longtemps que j'avais pas joué à MGS, voilà quoi. Et du coup aussi j'ai trouvé comment faire accélérer le cheval, c'est en appuyant sur la touche X, voilà. Et on attend que l'hélico arrive. Pouh. C'était tendu, mais on y est arrivé quand même. Et là, on va retourner à la Mover Bay, voir si on peut pas faire d'autres trucs ou améliorer la base. On verra bien. Let's go. Gaining altitude. On entend le cheval d'Ears qui se fait extraire par Ballon Fulton lui aussi. On peut prendre la tourelle aussi quand ça devient chaud. Je sais que quand j'avais fini le jeu, j'ai pas eu forcément à l'utiliser. Mission complete. I guess it all worked out in the end. Rancé, c'est bof parce que j'ai dû recommencer la mission. Enfin, la dernière fois, j'ai dû recommencer parce que je me suis fait tuer et tout. Enfin bref, je suis pas là pour faire tous les à chaque fois des rangs A, des rangs S. C'est pas ça la priorité. Et donc on va se taper le petit générique de fin encore. Voilà. Avec les personnages et tout. Enfin là on n'en a pas rencontré des personnages principaux, je veux dire. Alors encore des cassettes. Ah, je vous ai dit, les cassettes, ça va y aller. Alors, vous pouvez maintenant développer l'armement pour les... Ah bah tiens, on peut développer l'hélicoptère, c'est vrai, pour ajouter des trucs plus performants, comme les mitraillettes, ou changer même la couleur de l'hélico, tout ça. How you feeling, boss? Getting used to being in the field again. Having choppers and horse at your disposal is indispensable for operating in the wilds of Afghanistan. I've gone ahead and arranged for you to be able to develop and customize weaponry for support choppers. And you can also develop new equipment for D-Horse if you like. Use your iDroid to start development as needed. Ok, donc voilà, on peut aussi ajouter des améliorations sur le D-Horse, donc un blindage, toutes sortes de trucs pour que notre cheval ne puisse pas mourir aussi facilement, parce que oui, les soldats peuvent le tuer aussi. Alors, vous pouvez, voilà, ok. Ah, volontaires spéciaux. Rambé talent, il n'y en a pas, anglais, elle parle l'anglais, donc vous voyez, elle est rancée en combat, rancée de recherche et développement, rambé, je crois que c'est une unité de soutien, et rancée, ça, je ne sais plus, enfin bref, on verra, ok, oui, c'est à peu près pareil, soldat d'élite, rang A+, ah, talent tireur, il parle le russe, ok. Rendez, ouais, bof. Armurier, fusil. Mais il a un talent armurier, fusil à pompe. Ok. Et après, vous voyez, rendez. Ok. Bon, ça va, on aura eu quelques. Ah. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Enfin, moi, je le sais. Mais bon, pour ceux qui connaissent pas, j'essaye de créer la surprise, l'ambiance et tout. Ça fait peur. Ok,
Happy birthday, may your sky stay blue. Happy birthday to you. Happy birthday, boss. Happy birthday, Snake. Happy birthday, boss. Et voilà. Ah là là. Donc ça je l'avais eu parce qu'en fait, si vous vous rappelez bien, au début du jeu, j'ai mis la date au premier, son anniversaire à Big Boss, j'ai mis le 1er novembre. Et moi, je suis pas. Moi, je suis né le 15 septembre. Donc voilà, c'était pour vous montrer ça. Et moi, la première fois que j'ai joué, bah, j'ai mis ma vraie date le 15 septembre et j'avais eu ça. C'est Iceman, il m'a dit ouais, il faut que tu ailles à la Mother Base. C'est le jour de ton anniversaire, il y a un truc spécial. Donc je suis parti. Puis voilà, ça m'avait fait rigoler. À part que quand j'avais joué, il y avait plus de personnages que ça. Comme là je suis au début du jeu, voilà, il y a pas beaucoup de personnages, donc je vous spoil un petit peu, mais bon, ça, c'est tout ce que vous savez, il y aura plus de personnages, voilà. C'était marrant. Donc joyeux anniversaire Big Boss, il a 4 ans parce qu'il y a eu 4 bougies sur le gâteau. Non, je rigole. Enfin voilà, c'était la petite surprise. Mais bon, je le mettrai en titre de cette vidéo, Happy Birthday. Happy Birthday Snake, comme il a dit Ocelot. Donc, ça sera pas vraiment une grosse surprise, on va dire. Et donc, est-ce que je peux faire des trucs? Oui, je pense que... Ah, voir le menu d'aide de l'hydroïde... Ok. Alors, hélicoptère. Non, c'est pas ici. Où est-ce que c'est, là? Recherche du personnel... Hélicoptère, voilà. Ici, on va pouvoir améliorer l'hélicoptère. Alors, haut-parleur. Un diffuseur sonore. Ça coûte un peu cher, ça. Parce qu'il y a... Attendez, je vais voir si je peux améliorer d'autres trucs avant. Par exemple, sur The Horse. Entièrement renforcé. Tiens, ça m'intéresse un petit peu plus. Pour protéger mon cheval. Voilà. Après, le reste, c'est bloqué. Armée objet. Est-ce qu'il y a des trucs intéressants? Bon, niveau arme. On va peut-être s'acheter. Attendez. Arme de poing. Peut-être s'acheter un fusil de sniper si on peut, oui, on peut. Je vais m'acheter un sniper. Voilà. Demander, non. Lance-roquette, pas besoin pour l'instant. Après le reste. Le reste, on ne peut pas. Ok. Du coup, l'hélico, est-ce que je peux améliorer? On peut quand même. Bon, je vais l'améliorer. Hop. Voilà. Ah, vous voyez, tout, les missiles, les roquettes, tout ça prend pour améliorer. Bon, je pense qu'on est. On est plutôt bon. Après, le reste. Rien à faire. Du coup. On va prendre une douche avant. On se met nettoyer du sang et tout. Voilà.
Et on va retourner, peut-être commencer une nouvelle mission, mais je la finirai pas durant cet épisode. Ah, il y a des listes secondaires, tiens, bah je peux me faire une mission secondaire. Alors, Israël, interprète, sold out, mon calife. Ouais, je vais faire l'interprète. Ah oui, avant. Il faut partir de la Mover Base. Roger. Je vais voir un dernier truc encore. Non, c'est pas ça que je voulais voir. Personnel. Ah, il y en a un qui est en cellule. Ah, parce que ceux qui veulent pas rejoindre tout de suite notre équipe, enfin les Diamond Dogs, ils sont mis en cellule pour les dissuader de venir avec nous. Voilà, vous voyez tout le personnel. Ok, bon. Allons-y. Salut. Fais dodo. Oui. Bon, je veux pas faire dodo. Voilà, l'interprète russe, qui va nous être utile pour parler aux soldats, qu'on va les ligoter, enfin les attraper. Et puis ils vont nous parler, ils vont nous dire des trucs intéressants comme où est-ce que se cachent des diamants, ou bien leurs collègues, où est-ce qu'ils sont. Ça va être des repères. By connecting your iDroid to the onboard computer, you turn the chopper into your own Aerial Command Center, or ACC. Some elements of staff assignment and R&D of weapons and items can only be performed from there. Take as long as you need to consider all your options. Petite photo de la Mover Base ici. Avec les soldats. Ah, bonus du jour reçu, vous avez reçu le bonus du jour. Ok, parce que chaque jour il y a des bonus, ça c'est cool. Alors c'est ici, récompense, voilà, il faut aller. Ah, aussi il faudra que je vous montre un autre truc aussi. Tant qu'à faire. Alors, tout accepté. Attendez, avant je vous montre vite fait. Vous voyez, c'est des ressources, tout ça. Même des jetons. Des pims, tout ça. Allez, on accepte tout. Allez, voilà, dans personnaliser, on va pouvoir personnaliser l'hélicoptère, comme je vous ai dit, mettre d'autres couleurs. L'emblème aussi des Diamond Dogs, de la Mover Base. L'environnement de la base et notre avatar. Ça, l'avatar, je vais pas y toucher. Je peux vous montrer l'hélicoptère. Alors. Ok, donc pour l'instant... Voyons, on n'a pas... Ah, la couleur. Alors, la couleur que j'aime bien, moi, c'était celle-là. Voilà, ça c'est stylé. J'adore cette couleur. Ok. Oui. Alors, l'emblème. L'emblème, je vais pas trop y toucher non plus. On va laisser comme ça, mais bon, vous voyez, on peut changer, hein. Le fond. Vous voyez, on peut modifier comme on veut, mais bon, je vais pas le toucher pour l'instant. Oui. Ah, l'environnement de la base. Donc je vais mettre les mêmes couleurs. Alors attendez. Enfin, même couleur. Je veux dire, rouge comme ça. Ça me paraît pas mal. Hop. Ok. Yes. Donc vous voyez, vous pouvez un petit peu tout personnaliser, c'est cool.
comme je vous ai dit, l'avatar, mais pour l'avatar, je vais pas y toucher, c'est notre perso. Et donc voilà, après le reste, vous connaissez. Et donc, mission secondaire. Okay. On va aller ici. Let's go. Donc, l'équipement. On va mettre le sniper aussi. Hop, voilà. Les armes secondaires, bon, ça, c'est bon. Armes de soutien. On va mettre le C4 qu'on a acheté. Les objets. Je crois pas qu'on a d'autres trucs, non, c'est bon. Les outils, pareil. Choix du coéquipier. Alors. On va mettre sa tenue de combat, vous allez voir. Voilà, avec son petit casque. Pour le protéger des balles et tout. Sélection véhicule, non. Choix du personnage. On va peut-être changer pour vous montrer. En standard. Je vais voir en standard, ça donne quoi. Ouais. Et kaki. Ouais, on peut le... C'est pas mal comme ça. Non, je sais pas, vous en pensez quoi, vous. On va le mettre comme ça pour changer. Lancement de la mission, dès que possible. Allez, let's go. Donc je sais pas si on aura le temps de la finir. Enfin, c'est les missions secondaires comme ça, c'est vite fait. Donc je pense qu'on va pouvoir la finir, même si la vidéo, elle dure encore longtemps. D'ailleurs, l'épisode 5, ça a duré pas mal de temps, comme j'ai fait un fail et tout avec le commandant et tout. J'étais à fond dans l'action, du coup j'ai pas vu le temps passer. Mais bon, ça vous fait des longs épisodes de temps en temps, ça fait pas de mal. Allez, c'est long les chargements. Allez, go. The side ops list is comprised of problems we need you to resolve. Objectives to be completed. And information gained from the soldiers and prisoners you've extracted. These aren't missions per se, but if you can take care of them when you're free, I'd appreciate it. Ok. Il faut savoir aussi que les missions secondaires, avant le début, je vais vous faire quelques-unes, mais après, quand l'histoire va commencer à avancer, voilà, j'en ferai de mon côté, parce que ça revient souvent les mêmes, les missions secondaires, c'est souvent les mêmes. Donc voilà, j'en ferai de mon côté, j'espère que ça vous dérange pas. Allez, go. On va mettre un petit point. Voilà. Et donc c'est derrière. Let's go. Ah. J'ai entendu un petit chien. Il est où? Vous l'avez entendu, vous aussi? Ah, il est là. That wild dog pup. He's a tough little guy. Boss, this is no time to be playing with animals. What are you gonna do, boss? Qu'est-ce que je vais faire? Bah, je vais le capturer. Hop. Et voilà. Salut. Oh, le beau chien. Non, mais moi je suis au courant qu'il était là, voilà, c'était pour faire genre que j'étais pas au courant, mais je sais qui c'est. Vous verrez bien quoi, dans l'histoire, c'est qui. Moi je sais qui c'est, ce petit chien. Allez, on continue. Alors attendez, ouais. On va peut-être s'arrêter là. His role is to translate information related to the West into Russian. If we can get him to join us, we'll have the upper hand in information warfare. Find this language specialist and extract him. Extraction arrived at mother base. On va faire la mission de nuit. Sans le cigare fantôme, moi personnellement, je l'ai pas trop utilisé quand j'ai joué la première fois. Voilà, le début c'est marrant, mais bon, après. On voit pas trop l'utilité, à part si vous voulez faire la mission soit de jour, soit de nuit. Moi, je la fais telle qu'elle vient. Alors.
se rapprocher un peu. Ok, donc là c'est la cible. On n'a pas d'autre. Ok. Donc ça devrait aller assez vite. Hein. Attendez, est-ce que j'ai le temps de vous faire écouter une petite cassette? Non, c'est pas ça que je voulais faire. Donc celle-là c'est fini. Celle-là est dure. That Soviet soldier in the Green Beret is speaking English. Must be a language specialist. With him on our side, we'd be capable of Russian interpretation support. Try and extract him. Ok. Elle dure 3, 4, presque 4 minutes, donc moi je voulais faire écouter. Christmas Eve, 1979. The Soviet Union rolled into Afghanistan. Muslims had revolted against the Soviet-friendly regime established the year before. The DRA forces could no longer contain it themselves, so the Soviets went in to intervene. The Afghan government was powerless and fraught with infighting. They lost the hearts and minds of the people, and that alarmed the Soviet leadership. With the Islamic Revolution happening in Iran, the Soviets felt they had to act fast or risk the spread of Islamic revivalism. A superpower, sending a motorized rifle division against men on horseback with antique rifles. Everyone thought it'd be over in an instant. Only it wasn't. Some Muslims made their fight a jihad, a holy war, and began a guerrilla campaign on all fronts. A war of attrition. These fighters call themselves Mujahideen. They're being supported by the West through Pakistan. That's why Miller was involved. He was training them near the zero line, sponsored by the CIA. The war has become a nightmare for the Soviet troops stationed here. They thought they'd be headed home in 6 months at the most. Then a year passed. 2 years. Now here we are 4 years on with no exit in sight. Afghanistan has become the Soviet Union's Vietnam. The Soviet troops on the ground want to go home, but at least they have homes to go back to. The Afghans have lost theirs. The Soviets destroy the kishlaks, villages, wherever they can. They burn down homes and fields, fill in wells, turn pastures into minefields. It's created a mass of refugees who fled to Pakistan. If the Mujahideen are fish swimming around the villages, the Soviets will go so far as to dry out their ocean. But this has had a big price. There's bitter resentment among the Afghans, and they're taking out their anger on the soldiers on the front lines. Among the Mujahideen are the Pashtun people. They're fiercely devoted to their code of Badal, or revenge. Soviets they've captured have had their hands, feet, and noses cut off before being left to die at the side of the road. Just you get to extract him. They're capable of. Friendlies who come across them can do nothing but put them out of their misery. Then they burn down another village in retaliation. And the cycle of vengeance goes on. Et donc voilà, en même temps que ça se finit les cassettes, j'ai fini la mission. Donc je me suis désolé, je me suis trompé de touche quand j'ai fait ça. Là, je voulais l'attraper, en fait je me suis juste gouré de touche. Language specialist you extracted has been very cooperative. Since he's always dreamed of living a free life like folks in the West. What are the odds, huh? I've gone ahead and placed him in the support unit. His job is Russian interpretation. Now you'll know what Soviet soldiers are saying. You can even interrogate them. Should give you an edge in the mission. Et donc voilà, ça y est, on a fini cette petite mission secondaire. Je vous ai dit, c'était facile, c'était rapide, même si j'ai failli me faire choper un moment. Mais bon, ça s'est bien passé. Et donc, bah, je vais vous laisser là pour cet épisode 6. J'espère qu'il vous aura plu. Bon, en tout cas, c'était sympa, je me suis bien amusé. Et le truc avec l'anniversaire, le revoir et tout, c'est marrant. J'aime bien. Bon, bah, je vous dis à la prochaine pour l'épisode 7. J'espère
que cet épisode vous aura plu. Je me répète, mais bon, c'est pas grave. Et je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à commenter l'épisode si ça vous a plu, de laisser un pouce vert ou un pouce rouge si vous aimez ou pas. C'est à vous de voir. Et je vous dis à la prochaine, tout le monde. Salut!